Frère, le Seigneur est merveilleux. Il a décidé cette année de faire des choses au-delà même de mes attentes. Amen. Il faut dire que j'avais fait un songe il y a très longtemps. Mais dans le songe, j'avais tellement honte que quand je me suis réveillée, j'ai eu honte même d'en parler à quelqu'un. Et puis j'ai oublié le songe. Mais cette année, le Seigneur avait décidé de faire tout ce qu'il pouvait faire, ce qu'il avait décrété faire dans ma vie. Il a fait. Gloire à Dieu! Le songe, c'était un mari de nuit au début. Et à la fin, je me retrouve avec un chien collé comme les chiens se collent dehors. Quand j'ai vu ça, il faut dire que j'avais honte dans le songe. Mais quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas. Je me disais, ah, c'est la sorcellerie de ma famille ou bien c'est quoi? C'est quoi tout ça là? Mais Dieu est merveilleux. Cette année, le Seigneur m'a rappelé ce songe. Et j'avais décidé que j'allais en parler à mon faiseur de disciples. Et elle et moi, on s'est rencontrés et j'ai oublié de lui dire. Et quand je suis arrivée à la maison, le Seigneur m'a rappelé encore. Et là, j'ai tiqué, j'ai dit, mais tiens, avant où je ne voulais pas parler, je n'oubliais pas. Maintenant que j'ai décidé d'en parler, c'est que le diable ne veut pas qu'il soit dévoilé. Gloire à Dieu. Et j'ai pris mon portable. Je dis, cette fois-ci, ça ne serait pas quand je vais la rencontrer. Il faut que je lui dise en même temps. Et j'ai pris mon portable, j'ai écrit par messagerie ce que je devais lui dire si elle était en face de moi. Et je lui ai même dit que j'allais informer mon époux. Et dès que j'ai déposé mon portable, frère, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit que voici, j'avais fait un songe. Mais j'avais tellement honte que même quand je me suis réveillée, je n'ai pas pu t'en parler. Et je suis partie m'asseoir. Le Seigneur m'a conduit dans Josué, où il disait à Josué de tailler des pierres de couteau pour circoncire une seconde fois le peuple d'Israël. Je ne comprenais pas. Mais il faut dire que quand je me suis assise, au même instant, le Seigneur m'a ramené dans les faits. Comment cela est arrivé? Gloire à Dieu. Je me suis vue, c'était en 98, quand j'avais eu le bac. J'avais pris pour camarade un jeune qui était dans le quartier. On étudiait ensemble. Il était au Christianisme Céleste. Et je l'ai suivi. Ce n'est même pas lui qui m'a amené, il ne m'a pas attaché. Je l'ai suivi dans son église. Et soi-disant visionnaire, petit sorcier, m'a donné des pratiques que j'ai obéies. J'avais oublié. Mais quand le Seigneur m'a ramené dans le film, j'avais juste compris que le songe où il y avait le chien, c'était ces personnes en question. Et que j'accusais mes parents pour rien. Je comprenais juste que c'est parce que ce jour-là, au lieu d'aller chercher le Seigneur, je l'avais déposé pour aller chercher à me confier à un sorcier. Et c'était le sorcier là aussi que j'ai trouvé. Gloire à Dieu. Et là, je pleurais que le Seigneur ait pitié de moi. Qu'il ait compassion de moi. Parce que je voyais que sa justice était juste. Tout ce que je méritais, c'était ça. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et après ça, le Seigneur m'a conduit dans même Josué, où quand Josué avait fini de circoncire le peuple, Dieu a amené le chef de son armée lui-même pour conduire le combat. Gloire à Dieu. Je savais que je venais de faire une seconde circoncision de cœur et que le Seigneur allait faire descendre le chef de son armée pour combattre dans ma vie maintenant. Gloire à Dieu. Et à la suite, frère, le Seigneur merveilleux, dans Philippiens 3, le verset 2 à 3, qui dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous. C'est nous qui rendons un culte à Dieu avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Et que nous ne nous confions pas en la chair. J'étais délivrée. Je voyais juste que Dieu est en train de me délivrer, me montrer d'où tout ça était parti et où il m'amenait. Gloire à Dieu. Mais le lendemain, je suis allée au travail. J'ai été oppressée à ma descente. Et je rentre à la maison, mes enfants sont oppressés. Et je riais parce que je savais que le combat avait commencé. Gloire à Dieu. Et quand je suis arrivée ici, quand les frères rendaient témoignage, je me sentais mal à l'aise. Mais quand les Seigneurs ont pris le micro, viens y voir. Tout ce qui me dérangeait avait disparu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur... Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et pendant que j'étais assise là, le Seigneur me montre dans une vision claire. Le chien séparé de moi, décollé, lié du cou jusqu'aux pattes. Et quelqu'un d'autre est venu lier même son museau. Et j'étais là nue, arrêtée. Le coin était sombre, mais une main, une grande main est sortie du ciel. Frère, j'étais comme une petite fille. Et la main m'a revêtue d'une belle robe blanche. Acclamons pour Jésus-Christ. L'acclamons pour Jésus-Christ. Et tout d'un coup, la robe a éclairé, le sombre a disparu, la robe a éclairé tout le lieu. Et je voyais la main qui était tendue là, comme si je devais me coucher là-dessus. Et je me suis couchée sur ce bras. Et je me suis relevée. Frère, je venais de comprendre que le Seigneur venait de rouler l'opprobre, la honte que le diable me faisait croire. Et même quand je devais rendre le témoignage, le diable me disait comme ça que, donc tu vas aller parler de ça devant tout le monde. Il dit, mais ce n'est plus pour moi une honte. La honte, c'est pour toi. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Clap pour Jésus-Christ. Dis, je proclame. I proclaim. Que Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ restaure. Et Jésus revient bientôt. And Jesus comes very soon. Je vais lui rendre toute la gloire pour ses bienfaits dans ma vie. Amen. Lisons dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Isaïe. Read the book of prophet Isaiah. Nous allons d'abord lire le chapitre 8, verset 23 et le chapitre 9, verset 1 à 6. You read chapter 8, verset 23 and chapter 9 from 1 to 6. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris dans les graisses au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'encroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Cette prophétie s'est déjà accomplie. These prophecies are already taking place. Cette prophétie annonce les temps de Christ, les temps du Messie. This prophecy announces the time of Jesus Christ, the time of the Messiah. Annonce sa venue, sa première venue dans le monde. Announces his first coming in the kingdom. In the world. Quand l'Éternel a résolu, when the Lord decided, de répondre aux cris des hommes, to answer to men's cries, aux cris suscités par leurs angoisses, by cries raised by the worries, par leurs problèmes, by the problems, par les oppressions, by oppressions. Il a dit, he said, les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. The gloom will not be always on the earth. Ça, c'est un décret du Dieu Tout-Puissant. This is a decree from the mighty God. Et il annonce le salut jusqu'aux extrémités de la terre. He announces salvation unto the end of the earth. Il voulait prouver que le Messie ne viendra pas seulement pour les enfants, pour les Juifs. That the Messiah will not come only for the Jews. Il dit les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant les angoisses. He said the gloom will not always be on the earth where there's worries. Il dit si les temps passés ont couvert d'opprobre, is it the last time where darkness? Le pays de Zabulon et de Nephtali. The country of Zabulon and Nephtali. Les temps à venir, time to come, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. We bring joy in the neighbor country of the Jourdain. Au-delà du Jourdain. Beyond the Jourdain. Le territoire des gentils. The territory of the Gentiles, the pagans. Même les païens, even pagans, sont inclus dans le plan de salut de Dieu. Are included in the plan of salvation of God. Et les temps de honte, de misère, and the time of shame and misery, des pleurs, of cries, les gémissements, of gnashing of teeth, s'arrête. Ce n'est même pas encore la fin du monde. It's not even the end of the world. Ce n'est pas encore l'entrée dans le royaume des cieux. It's not even yet the entry into the kingdom of heaven. C'est l'entrée du Messie dans le monde, sa naissance dans le monde. It's the coming of the Messiah into the world. Sa naissance vient avec des joies, de l'allégresse. His birth comes with joy, with happiness. La fin des angoisses. The end of worries, of weeping. Il y a des gens qui passent le temps à pleurer sur leur couche. Some people spend time crying on their bed. Jésus va te donner la louange. Jesus will give you praise and joy. Jésus va agir. Jesus will act. Il va briser le joug du méchant. Il va briser le joug de l'oppresseur. Dis avec moi, dis non, non, non. Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie. Dis non, non. Le Seigneur, l'Éternel, l'a résolu. Because the Lord has decided. Que les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie. Que le temps, les années passées étaient les années de souffrance. Les années de pleurs. Nous avons écouté les témoignages ici. Quelqu'un dit, je pleurais tous les jours, maintenant elle ne pleure plus. Comment elle sourit à côté de son mari. Dis non, les ténèbres ne règneront pas toujours sur ma vie. Si les années passées ont été les années d'opprobre, de honte, d'ignominie, les jours qui suivent sont les jours de fête, de joie, de danse, de louange. Fête, joie, danse, fête, joie, danse, fête, joie, danse. Si je proclame que mes yeux verront la gloire de Dieu. Et il faut croire, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est Dieu. Tu n'as pas dit à Dieu de dire ça. You do not ask God to say it. Il le dit par amour. He says through love. Par compassion. Out of compassion. Par miséricorde. Out of mercy. Dis Seigneur. Say Lord. Tu m'as parlé. You spoke to me. Tu as prophétisé le repos. You prophesied peace. Tu as prophétisé la joie, l'allégresse. You prophesied joy, happiness. Si je le saisis par la foi. You come and grasp me by faith. Je le crois. I believe. Tu as parlé. You spoke. Et cela est suffisant. And this is sufficient. Remerciez le Seigneur d'abord. Thank Lord before. Oh Jésus-Christ. Oh, Jesus Christ. Tu as parlé. You spoke. Et cela est suffisant. And this is sufficient. Tu as parlé. You spoke. Tu as parlé. You spoke. Tu as parlé. You spoke. Cela nous suffit. And this is sufficient. Cela nous suffit. This is sufficient for us. Écoutez ce qui est écrit. Listen to what is written. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. I've seen a great light. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Upon them a light has shined. Oh, la lumière est dans ta vie. Oh, the light has shined. Et Isaïe nous a rendu témoignage. Elle était dans le noir, collée à un chien. And so they gave a testimony when the darkness. Et la lumière est venue. And the light came. Et il les a séparés. And the light separated them. Elle vit maintenant dans la lumière. She lives now in light. Jésus est la lumière. Jesus is light. Jésus est la lumière. Jesus is light. Quand il est dit, la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. He said, the light when coming to the world shines over everybody. Il dit, it says, tu rends le peuple nombreux. You have multiplied the nation. Tu lui accordes de grandes joies. And increase its joy. Il se réjouit devant toi. They rejoice before you. Comme on se réjouit à la moisson. According to the joy of harvest. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. As men rejoice when they divine the spoil. Qui n'a pas entendu les cris dans cette salle? Who have not heard the cries in this hall? Qui a crié de joie tout à l'heure? Who shouted of joy here? Baissez maintenant la main. Put down your hands. Écoutez. Qui a crié parce qu'il a reçu 1 milliard? Who shouted because you receive 1 billion? Qui vient de crier parce qu'on lui a donné un plat de nourriture? Who is just shouting because he has received a meal? Qui a crié parce qu'il a entendu le nom de Jésus? Who shouted because he heard the name of Jesus? Hallelujah! Hallelujah! Jésus Christ. Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que cette parole est vraie. That this word is true. Le Seigneur nous donne la joie. The Lord gives us joy. Il nous rend nombreux. He multiplies us. Quand les païens vendent le cacao ou s'ils vendent de l'or, notre joie dépasse la joie de quelqu'un qui vient de vendre l'or. When pagans sell cocoa and gold, our joy goes beyond somebody who has sold cocoa and gold. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. You have multiplied the nation and you made the people joyful. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. Et la joie de Jésus te visite. And the joy of Jesus visits you. Bannis la tristesse. Banish l'angoisse. Banish quietness. Bannis-les, bannis-les. Banish them, banish them. Entre dans la fête, dans l'allégresse. Be in feast, be in joy. Entre dans le repos de Dieu. Into the peace of God. Entre dans l'assurance. Into the assurance. Entre dans la confiance. Into the confidence. La joie qui est en Jésus. The joy which is Jesus. Dépasse la joie de ceux qui récoltent. It's beyond the joy of those who harvest. Dépasse la joie de ceux qui vendent les produits. It's more than the joy who sells products. Dépasse la joie de ceux qui perçoivent des salaires. It's more than the joy of those who receive salaries. Son nom seulement. Only his name. Pourquoi? Why? Parce que son nom est associé à la délivrance. Because his name is tied to deliverance. Jésus ne peut pas entrer ici et sortir sans briser les chaînes. And go out without breaking the chains. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. This is the reason why it's the same. The people who walk in the darkness saw a great light. Quand les frères racontent les visions, one brother had visions. Jésus vient avec la lumière. Jesus comes with light. Et là où tu es assis là, and where you are seated here, il y a la lumière dans ton âme, il y a la lumière. There's light in your soul. Alléluia. Alléluia. Et la joie que nous éprouvons, and the joy that we have, c'est la reconnaissance. It is the greatness. C'est une manière de dire merci. It's a way of saying thank you. C'est un autre langage. It's another language. Pourquoi? Why? Il est écrit. It's written. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. For you have broken the yoke. Tu les brises. You break it. Jésus brise. Brise le bâton de l'oppresseur. Quand les esclaves, là, on les traite, on a les verges. When the slaves are treated, they have a cord. On frappe sur le dos. Travaille. And they beat them on their back. Work. Si tu essaies de t'arrêter pour aller boire de l'eau, tu entends seulement et tu dis, waouh! Stop to go and drink. Va travailler. Quand Jésus arrive, when Jesus comes, la première chose, the first thing, il brise l'arme avec laquelle on t'attaque. He breaks the arm with which you are attacked. Il brise. He breaks it. La verge de l'oppresseur. The cord of the oppressor. S'il veut même, il te laisse. Après avoir brisé la verge, il vous laisse. If you want, after breaking the yoke, we leave you. Et tu prends l'au-dessus. And you take control over it. C'est-à-dire, il vient, il brise le joug de l'oppresseur, il te dit, mon petit, j'ai fini ma part. Il te laisse. He comes, he breaks the yoke of the oppressor and says, my little one, I'll finish. And he leaves you. C'est pour cette raison que, this is the reason why, si tu as la grâce de chasser un démon, ne t'enorgueillis même pas, il n'y a rien dedans. C'est ton grand frère qui a cassé la verge. Is that the grace of casting out the demon? Don't be proud. The senior brother who broke the yoke. Il ne s'occupe pas du reste. Les petits enfants. Au nom de Jésus, fais-t'en. Wow, il s'en va. Acclamons pour Jésus-Christ. L'acclamons pour Jésus-Christ. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la verge des oppresseurs est brisée. That the yoke of the oppressor is broken. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que mes oppresseurs sont désarmés. That my oppressors are disarmed. Leurs dents sont arrachées. Their teeth are removed. Vous entendez? On n'a même pas encore commencé. Nous, on est encore en train de contempler le Seigneur et il s'en va. We are never starting. We are contemplating the Lord. Jésus-Christ. Jesus Christ. Dis Jésus-Christ. C'est Jesus Christ. A brisé. Has broken. La verge de la personne qui m'oppressait. The yoke of the person who oppresses me. Fini l'esclavage. Fini slavery. Il dit, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulés dans le sang seront livrés aux flammes. For every warrior's sandal from the noisy battle and garment rolled of blood will be used for burning and fuel of fire. Pour être dévoré par le feu. To be burned by fire. Ça c'est une autre fonction de ton grand frère, le juge suprême. This is another function of your senior brother, the supreme judge. Il va châtier les meurtriers. Il va châtier les orgueilleux. Just as the pride people. Il dit, car un enfant nous est né. For unto us a child is born. Un fils nous est donné. Unto us a son is given. Et la domination reposera sur son épaule. And the government will be upon his shoulder. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jesus is the Lord of the lords. Il règne. Il règne. Ce n'est pas qu'il régnera. It's not going to reign. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. In heaven, on il règne sous la terre. Il règne under earth. Il règne sur tous les règnes. Il règne over all reigns. Si je proclame. So I proclaim. Que Jésus-Christ règne, règne, règne. La domination est sur son épaule. The government is upon his shoulder. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Listen. Il est dit, on l'appellera admirable. His name will be called wonderful. Conseiller. Counselor. Dieu puissant. Mighty God. Père éternel. Everlasting Father. Prince de la paix. Prince of peace. Acclamons pour lui. Les clap pour Jesus. Un aspect de sa mission terrestre. This is one aspect of his earthly mission. Donner à l'empire de l'accroissement. Of increase of his government. Et une paix sans fin au trône de David. And peace there will be no end. Et à son royaume. Upon his kingdom. L'affermir et le soutenir. To order and establish it. Par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. By judgment and justice from that time forward. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. The zeal of the host will perform this. Il ne fait pas une œuvre superficielle. It is not a superficial work. Il commence. It commences. Il a fermé le règne physique de David. He established the physical reign of David. Et il le bénit jusque dans l'éternité. And he blessed him until heaven. C'est ce qu'il va faire. This is what he will do. Il a fermé ton règne. He established your reign. Et il te protège pour entrer au ciel. And he protects you for you to go to heaven. Ça ne s'arrête pas ici. It will not stop here. Ça continue jusque dans l'éternité. It continues unto the everlasting life. Il te donne la victoire. It gives you victory. Et il te garde en lui. He establishes you. Et il veille sur toi. And he watches over you. Et il t'affermit. And he establishes you. Tu es faible, faible là, mon ami. Tu n'as pas de problème. Oui, Jésus t'a fermé, Jésus t'a fermé. Jésus t'a established you, Jésus t'a established you. Jésus t'a fermé. Jésus t'a established you. En entrant ici, when entering here, peut-être tu n'étais même pas bien fort. Because you are not even strong enough. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Ce soir, tonight, en sortant, by going out, tu auras la certitude. You have a certainty que tu n'es plus le même. That you are no more the same. Hallelujah. Jésus t'a fermé. Jesus established you. Jésus t'a fermé. Jesus established you. Tu ne vas pas tomber comme tu penses là. You know, for even how you think about même it. Si tu avais un projet que après ici tu vas faire un tour quelque part, je te dis la vérité, c'est fini. Even you had a project, after here you go somewhere. I'm telling you, it's finished. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis fort. That I'm strong. Je suis fort. I'm strong. Je suis fort. I'm strong. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. This is the reason why you're going to ordone to be powerful. Ce soir, tonight, affermis-toi dans la grâce. Establish you into grace. Et entre dans la promesse prophétique. And enter into the prophetic promise. Dis à Jésus. Voici un adversaire. Il a une arme contre moi. He has a weapon against me. Et si tu as les yeux pour voir les visions de Dieu, if you have the eyes to see the visions of God, tu verras comment ça s'émiette entre ses mains. You see how the weapon is falling from his hand. C'est à ce moment-là que les maladies connaissent le chemin de l'abîme. These are the moments that the diseases know the way to abyss. Elles quittent ton corps. They leave your body. Elles entrent dans les abîmes. And they go into abyss. C'est à ce moment-là que vous entendez que j'avais une boule qui a disparu. It's a moment you hear that I have a ball and it disappeared. Comment une boule peut-elle disparaître? How can a ball disappear? Mais les boules connaissent leur demeure normale. Because the ball knows their real places. Ce n'est pas ton corps. It is not your body. Elle va disparaître. They will disappear. Elle va entrer dans les abîmes. And they go into abyss. Si on te dit là, accompagne-nous dans les abîmes, tu connais le chemin? Even though you see us off in the abyss, do you know the way? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce stage qui sait où se trouve l'abîme? There is somebody here in the hall who knows where the abyss is situated. Tu vois, mais la maladie connaît le chemin. You see, but the disease knows where it is located. Le démon connaît le chemin. The demon knows the way. Toi, tu es venu pour servir Dieu sur la terre. You have come to serve God on earth. Avec tes membres, ton corps, ton âme et ton esprit. Your body. Et ton corps est le temple de Jésus. And your body is the temple of Jesus. Entre dans cette promesse. And accept this promise. Crois. Believe it. Que l'obscurité est finie. The gloom is finished. Ne dis pas j'attends demain pour voir si tu fais ça tu as échoué. Don't say I'm waiting tomorrow to see. If you do this, you have failed. Si Jésus est né. If Jesus is born. Si tu as déjà entendu au moins 2 personnes dire que Jésus est né. If you have heard 2 people at least saying Jesus is born. Parce qu'on dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Because the testimony of 2 people is true. Si tu as déjà entendu 2 personnes dire que Jésus est né. If you have heard 2 people saying Jesus is born. Crois. Believe que les ténèbres sont bannies. That the gloom is banished. Crois. Believe it. Que la verge de l'oppresseur est brisée. That the yoke of oppression is broken. Est brisé. Broken. Crois. Believe it. Crois qu'il s'agit de toi. Believe it is about you. Les païens. Pagans. C'est moi. Mock at you. C'est toi. It is you. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, c'est toi et moi, c'est nous. Beyond the Jourdain, the territory of the Gentiles, it's you and I. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a beaucoup souffert. Dieu lui a révélé que le salut inclut les païens. The salvation is also part of the pagans. Les gens lui disaient non, non, Dieu ne peut pas sauver les païens. The people were telling no, God cannot save pagans. Il leur disait que j'ai vu Jésus. Il m'a envoyé vers les païens. He sent me toward pagans. Les gens se fâchent. People got angry. Il a dit mais moi j'étais persécuteur. He said I was a persecutor. Je punissais les croyants. I was punishing believers. C'est Jésus même qui m'a dit va chez les païens. Is Jesus who told me go to the pagans. Et la Bible dit. And Jesus, the Bible says, quand les païens entendaient ces choses, when the Gentiles heard about this, ils se réjouissaient. They were joyful. Ils se réjouissaient. They were joyful. Parce que Jésus est venu. Because Jesus came pour l'humanité. For the whole humanity. C'est une joie. It is a joy de savoir que tu es parmi ceux qui sont sauvés. To know that you are part of those who are saved. C'est une joie. It is a joy. Tu ne dois pas douter. You must not doubt. Tiens-toi debout. Stand up. Le grand frère a brisé la verge. The master has broken the yoke. Tu peux traiter les autres petits dossiers là. You can treat the other small matters. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Quand le grand frère vient, il casse les arbres. When the elder brother comes, he breaks the trees. Le reste, il dit, allez. The rest says, go. Chasser les démons. And cast out the demons. Marchez sur les serpents. Marchez, marchez. Throw over the snakes. Il a fini sa part. He has finished his part. Tout est accompli. Everything is accomplished. Mais si tu vois un petit rebelle, if you see a small rebel, mets-le à sa place. Put it at his right place. Tu as le pouvoir. Tu ne triches pas. C'est Jésus qui te dit je te donne mon pouvoir. You have the power. You are not cheating. Here you say, I'm giving you my power. Tu as ça, tu as ça. You have it. You have it. Même si tu es né aujourd'hui, tu as ça. Even you are born today, you have it. Si tu es encore dans le monde, que tu commets les péchés. If you are still in the world, committing sins. Décide maintenant, pendant que nous sommes debout, décide que c'est fini. Decide now while you are up that it is finished. Si tu ne décides pas, Jésus sait que tu n'as pas décidé. If you don't decide, Jesus knows that you have not decided. Si tu as même l'alcool dans ton sac ou bien la cigarette ou la drogue, tu emballes ça, tu viens ici. If you have alcohol, cigarette or drug into your pocket, si tu as les talismans, les ceintures de sécurité sur toi, you have the belt of security. Tu viens avec devant ici. Come with it in front here. On te délivre. And you deliver you. Et tu vas prier avec nous. And you pray with us. Frère, lève ta main. Brother, raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je disperse. I disperse. Toute armée invisible. Any invisible army. Dis, je sais que mes ennemis sont déjà désarmés. Say, I know that my enemies are already disarmed. Dis, j'ordonne. Say, I ordain. Qu'ils soient tous dispersés. They should be all be dispersed. Je proclame. Say, I proclaim. Que les ténèbres. That the gloom. Ne peuvent plus régner sur ma vie. You no more shines. L'oppression, l'oppression. L'oppression, l'oppression. Tous les jours, mari de nuit, femme de nuit. Every day. Man in spirit, husband in spirit. C'est fini. C'est fini. Dis Satan, c'est fini. Satan, c'est fini. Va-t'en. Go. Ton règne est brisé. Your reign is broken. Tes armes sont brisées. Va-t'en, va-t'en. Go, go. Touche ton mal par le nom. Si c'est la pauvreté, les dettes, tu dis, toi, les dettes, c'est fini. You tell your problem by name. Si c'est le célibat. It's a singlehood. Au nom de Jésus-Christ, nous dispersons, nous dispersons, nous dispersons, nous dispersons, nous dispersons. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Opprobre. Shame. Je te roule. I enroll you. Je te précipite dans les abîmes. I cast into the abyss. Je libère les temps de joie. Set time of joy. Les temps de gloire. Set time of glory. Les temps de gloire que le Seigneur a prophétisé. Time of glory that the Lord has prophesied. Je proclame. Say, I proclaim. Que ces temps sont des temps de gloire pour moi. That this time is a time of joy for me. Continue à proclamer, à appeler. Continue to proclaim. Et robe. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Je renverse toutes choses qui s'opposent au temps de gloire prophétisé. Je renverse toutes choses. J'enlève de mon chemin tout homme. Je le renverse. Tout ce qui s'oppose au temps de gloire prophétisé. Tout ce qui s'oppose au temps de joie pour moi. Donc tu rends cela spécifique. Si tu veux le travail, tu dis ce qui s'oppose à mon travail. Ce qui s'oppose à mon mariage. S'oppose à mon bonheur. S'oppose à ma guérison. Tu enlèves cela de son chemin. Remove it. Kalamasanga la makala masanga la makala. Joro bakala bakajoro bakala. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis d'un commun accord. In a common way. Nous réduisons à néant. You reduce to naught. Toute entreprise de la sorcellerie. Any enterprise of witchcraft. Contre les enfants de Dieu. Against the children of God. Contre ceux qui invoquent Jésus. Against those who call upon God. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Tout lieu d'envoûtement. Any place of bewitchment. Nous détruisons. We destroy. Tout instrument d'envoûtement. Any instrument of bewitchment. Nous détruisons. We destroy. Tous les liens qui ont rendu possible tout envoûtement. D'un commun accord. In a common way. Nous demandons la liberté de tous. We ask the release of all. Même ceux qui n'ont pas pu venir. Even those who couldn't come. Même ceux qui écoutent à distance. Even those who listen far. Tous ceux qui ont élevé le cri à Dieu ce soir. Or they will cry to God tonight. Que leur voix monte. That their voice go up. Que leur voix parvienne aux oreilles du Seigneur. That their voice to be heard by God. Que toute hauteur contre le peuple soit rabaissée. That any mountain against any should be removed. Que toute hauteur soit renversée. Every high should be crushed down. Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de chacun. That the heaven of God should be open. Upon everyone. Que toutes les forces qui sont venues des abîmes retournent dans les abîmes. Now, all the strong come from abyss, go back to the abyss. Nous libérons la voix devant chaque frère. We release the wave before each brother. Des plus faibles aux plus grands. From the weakest one to the greatest one. Des plus faibles aux plus forts. From the greatest one to the strongest one. Des plus jeunes aux plus âgés. From the youngest one to the headless. Que au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le chemin soit frayé devant chacun. Car il est écrit. On dira. Frayez, frayez. Make the way. Préparez le chemin. Prepare the way. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Remove any obstacle in front of the way of my people. Au nom de Jésus. Say, in the name of Jesus. Nous enlevons tout obstacle. Remove any obstacle. Du chemin du peuple du Seigneur. From the way to the people of God. Du plus petit au plus grand. From the youngest to the highest. Du plus pauvre au plus riche. From the poorest to the richest. Nous brisons les obstacles. You break the obstacles. Nous frayons le chemin. You make the way free. Nous rendons possible la marche et le progrès. You make possible the work and progress. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. In all domains, in all domains. Tous les domaines de la vie d'un homme. All domains of the life of a man. Tel que Dieu l'a voulu dès le commencement. As God planned it dès the beginning of the world. Nous demandons la croissance, le progrès, le succès, la réussite. We are progress, success, growth. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main. Raise your hand. Dis que le salut pénètre nos familles. The salvation should enter your family. Dis nous libérons la voie à l'évangile. And you set the fire of the gospel. Que le chemin soit frayé. A way should be open. Pour tous les porteurs de la bonne nouvelle. For all those who bear good news. Qu'ils entrent dans nos familles. It should enter your families. Communiquer la vie et le règne de Christ. Give the reign and the life of Jesus. Et qu'aucun démon ne reste debout. And no demon should stand up. Demandons le règne de Jésus. Let us the reign of Jesus. Demande qu'il s'établisse en toi. It should establish in you. Qu'il entre dans ta maison. Should enter your house. Qu'il règne dans ta famille. Should reign over your family. Et que tous ceux qui ont escaladé la sortent partout où ils sont venus, même si ce n'est pas les fenêtres. All those who came as a mercenary should go back. Car il est écrit, l'heure vient, elle est devenue. Come and scam. Où le prince de ce monde doit être jugé, jeté dehors. Where the prince of this world must be judged and cast out. Satan, c'est ce jour-ci, ce jour-ci. It is today. Même si tu as souvent résisté. Even you often resist. Aujourd'hui c'est la fin. Today is behind. Sors. Go. Va-t'en. Go. Tu ne seras plus jamais adoré dans la famille. You are no more be the same. Tu n'auras plus de captifs. Tu n'auras plus de captifs. You know our captives. Prions ensemble. Let's pray together. Que le règne de Christ dans ma vie, dans la famille, le règne de Christ. Urabakashu bagara bakashiri bakaba, urabakashiri bakara basamba rakaba, urabakara bakasamba bakasakaba, urabakasaka barakasikaba, urabakasaka bakara bakasakaba, urabakasaka barakasaba kashikaba, urabakasaka barakasaba, urabakasaka bakasara, urabakasaka. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Contemple la victoire de Christ. Contemplate the victory of Jesus. Ton ennemi est désarmé. Your enemy is disarmed. Tout ce que le diable utilisait pour t'opprimer est brisé. All that the devil has been using to oppress you is broken. La verge de la maladie est brisée. The yoke of diseases is broken. La verge de la pauvreté est brisée. The yoke of poverty is broken. La verge du mépris, la honte, l'opprobre est brisée. The yoke of shamelessness and despisement is broken. Quelle que soit la maladie, no matter the disease, même si on t'a dit qu'elle ne guérit jamais, la verge est brisée. Even if he said that it cannot be cured, the yoke is broken. Jésus-Christ. Jesus Christ. Si tu as été rejeté, tu seras réhabilité. If you have been rejected, you shall be called back. Quand les gens avaient les bonnes choses, ils t'oubliaient. When people had good things, they used to forget you. Mais quand ils ont de mauvaises choses, ils te cherchent. But then when they have bad things, they look for you. Maintenant, la situation est renversée. Now the situation has changed. Quand il y aura des bonnes choses dans la famille, même au lieu de service, on va te chercher. When there are good things in your family, even at your workplace, they will look for you. L'opprobre est roulé. Shame is rolled up. Ton point de vue, your viewpoint, sera pris au sérieux. You'll be taken into account seriously. Le Seigneur dit, je vais faire des choses impossibles. The Lord is saying, I made impossible things. Je vais faire des choses impossibles. I will make impossible things. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pose les mains sur ta tête. Tu dis, je reçois des nouveaux organes. Lay your hand upon your head. Say, I'm receiving new organs. Je reçois la guérison de Dieu. I receive healing. Je reçois la vie. I receive life. Je reçois le repos. I receive peace. De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. From my head to my feet. La maladie ne règnera plus. Sickness, you no more la mort rule over ne règnera plus. Death, you no more rule over me. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. That I'm seated with Christ in the celestial place. Dis, en tant que corps de Christ. Say, as a body of Christ. Nous proclamons. You proclaim. Que nous sommes assis avec Christ. That we are seated with Christ. Dans le lieu céleste. In the celestial place. Que toute âme, that any âme, encore retenue dans un lieu quelconque d'envoûtement, and so remain in a place of bewitchment, sorte de là au nom de Jésus-Christ. Come out of there from the name of Jesus Christ. Et réintègre le corps où Dieu l'a créé, dans lequel Dieu l'a créé. And enter the body into which God has created. Dis, je libère ma communion avec Dieu. Say, I release my fellowship with God. Dis, je libère ma capacité d'entendre la voix de Dieu. Say, I release my capacity of hearing the voice of God. Dis, je libère ma capacité de voir les visions de Dieu. I release my capacity of seeing God's visions. Je détruis tout ce que Satan a créé autour de moi pour me distraire. I destroy all that Satan created around me to distract me. Dis, Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Say, Father, fill me with the Holy Spirit. Dis, Père, arme-moi pour les batailles futures. Say, Father, arm me for future battles. Prions en langue. Let's pray in tongue. Dis, je lave mon corps dans le sang de Jésus. Say, I wash my body into the blood of Jesus. J'enlève toute la boue j'étais sur moi. I remove all the mud that I have on me. Je lave tout mon être, tout mon être. I wash all my being, all my being. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. I sanctify my body, my soul and my spirit. Dis, Seigneur, je dois partir à la maison, touche-moi. Say, Lord, I have to go home, touch me. Dis, Seigneur. Say, Lord. Tu es au milieu de nous. You are among us. Guéris toute personne. Heal any person atteinte d'une maladie incurable, affected by an incurable disease, appelée par les hommes incurables, called by people incurable disease. Quelle que soit la maladie, no matter the disease, agis maintenant. Act now. Agis. Act pour donner de la vie à ceux dont les os sont usés. To give life to those where the bones are broken. Agir pour purifier le sang de ceux qui ont le VIH/SIDA. To purify the blood of those who are HIV positive. Agir pour sauver les diabétiques. To save the diabetics. Agir pour guérir le cancer. To heal cancer. Agir pour guérir tous ceux qui ont le problème de foie. To heal all those who have problem of liver. Agir contre tout type d'hépatite. To heal those who have hepatitis. Agir pour sauver ceux qui ont l'hypertension. To save those who have high blood pressure. Agir pour guérir ceux qui ont la drépanocytose. To heal those who have drépanosomiasis. Agis pour guérir ceux qui souffrent d'épilepsie. Work to heal all those who are affected by epilepsy. Agis pour guérir ceux qui ont une plaie incurable. To work all those who have an incurable wound. Agis pour sauver ceux qui ont les hémorroïdes. To save all those who have hemorrhoids. Agis pour guérir ceux qui ont les problèmes de dépression. To heal those who have problems of madness, depression. Agis pour guérir ceux qui ont les problèmes d'insuffisance rénale. To heal those who have renal failure. Maintenant. Now. Dis, Père, tu peux donner l'utérus à ceux qui n'ont plus d'utérus. Father, you can give womb to those who do not have any womb. Tout est possible à toi. Everything is possible by you. Délivre ceux qui ont le chômage comme infirmité. Deliver those who are unemployed as infirmity. Permets qu'on les appelle même dans la semaine. Grant them to be even called during the week. Dis merci à Jésus. Thank Lord Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Frère, crois que tu es entré dans les temps de gloire. But I believe that you entered time of glory. Et va méditer sur Isaïe 8, 23 et Isaïe 9, 1 à 6. Go and meditate upon Isaiah chapter 8, verse 23 and Isaiah 9 from verse 1 to 6. Tu t'établis dans la grâce. And you establish yourself into grace.